Bonjour à tous les amis, ici Yalamu et bienvenue pour le 14e épisode du Malheur. Le malheur le plus total qui nous arrive dessus. On est victorieux, on attaque. À l'attaque. Attention. À l'attaque, j'ai dit. Dieu vous apporte sa protection miséricordieuse. À l'attaque. Confiez le destin de mon plan. La prochaine attaque vous sera fatale. Je vous le promets. Vous avez perdu la bataille. Putain, c'est chaud quand même. Yes, on a coulé un de leur bateau. Allez hop, retourne te réparer toi. Vous pourrirez en enfer pour ce que vous avez fait. Oui, ta gueule. Hein? Mais oh. On pourrira où tu veux, mais en tout cas, on t'a foutu une misère. Max, ok, les outils. Comment osez-vous étendre cet indélicat conflit au seuil même de notre porte? En tant que représentant des nobles de cette ville, j'ose espérer que vous veillerez à ce que ce conflit n'affecte pas nos demeures. Ouais, non, mais garçon, t'es gentil, mais j'en ai rien à foutre. Pour l'instant, j'essaie d'abord de casser ça. Vous pourrirez en enfer pour ce que vous avez fait. Et ensuite, il me faut armer encore. On produit alors des unités de siège ou pas? Parce que ça, j'ai pas compris moi. Non, on produit pas d'unités de siège. Il nous faut produire des unités de siège, les gars, parce que sinon, on est mort. Un atelier d'ingénieur de siège devient obligatoire là. Ça prend quoi? Du bois et des cordes en plus. Allez, hop, 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 là. Lui, il a fond, ouais, il faut que ce soit fond. Pensez-vous que je vais rester les bras croisés pendant que vous aidez ma petite Marie? Mes crapules sanguinaires et moi-même allons montrer à ce chaperon rouge ce que c'est que d'avoir peur. Ce chaperon rouge, j'aime bien leurs expressions. Il est sympa, lui. Pourrirez en enfer pour ce que vous avez fait. Ouais, on a plus de réserve. À monter à 333 nobles, tu m'excuseras garçon, mais c'est pas... Putain, on manque de tout, quoi. Il nous faut plus de poissons, il nous faut plus de tout, les gars. On est dans la merde. Moi, je vous le dis clairement, on est dans la merde. Moi, je vous le dis, on est dans la merde. Ce bateau-là, ça serait bien de commencer à l'attaquer, en fait. Merde, ce bateau. Oh, il se défend pas. Un ennemi vous a vaincu au combat. Un ennemi vous a vaincu au combat. Oui, bon, ça va. Cassos! Mon navire subit une canonnade. Ce siège s'éternise et nos réserves s'amenuisent. Si nous ne recevons pas des armes et des engins de siège, nous serons fichus. Ouais, bah dis-toi bien que... J'y ai pensé avant toi, on dirait, hein. Bah voilà, il y en a 10, il y en a 2. Bon, vous pourrirez en enfer pour ce que vous avez fait. Toi, annule. Soldat, en avant! Tu vas te déplacer, tu vas te mettre par là. Soldat, en avant! Utilisons les engins de siège pour construire des trébuchets et des tours fortifiées. Peut-être pourront-ils arrêter Lucius. Ah, t'inquiète, c'est prévu, ma biche, c'est prévu. Hein? Je vous ai dit bonjour. Ouais, je suis un peu perdu, les gars. C'est rien, c'est pas grave. Bon, il nous faut plus de fer, clairement. Hein. Voilà, là, sur ce coup-là, c'est dit. Il nous faut beaucoup plus de fer, beaucoup plus de pierre, beaucoup plus de tout. Ici, on a quoi? On a un gisement de pierre, les gars. On est sauvé, on a un gisement de pierre. Des pierres.
Ah merde, c'est en dehors de notre territoire. Petit bâtiment de marché s'il te plaît, merci. Là, on veut de la pierrite. Sur ce coup là c'est clair, on a besoin de pierrite. Les nobles, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'on en a des nobles? Ah, ils ont plus de bière, ils ont plus de cidre, ils ont plus rien, les mecs. Ma femme est enchantée de rencontrer du beau monde. Ah, le poisson, ça va et ça vient, les épices, ça va et ça vient, bref, c'est pas grave. Ça. On va périr. Moi, je vous le dis, on va périr à la prochaine attaque. Il nous faut ça impérativement. Ça, on va le construire ici. On est prêt. Vous êtes prêts, tant mieux. Et vous aussi, quels vous êtes sont prêts, vos ordres? Tant mieux. Bon, ce bateau là, ça serait bien de le couler. Donc on va y retourner les gars, en mode 12D. Hein. Ah, heureusement il nous poursuit pas et puis on sort de la grue de réparation, on essaie de cheater un petit peu les mecs. Hein. Si on arrive à l'affaiblir, c'est des grands navires de guerre là, ce gros truc là. Ce grand dadé. On pourra peut-être arriver à quelque chose, moi je vous le dis. Hein. En attendant, c'est clair, il nous faut plus de tours fortifiées. Ça y est, on commence à avoir des engins de siège, c'est bien ça. On va mettre une deuxième ici, juste histoire d'eux, hein, pour s'assurer. Ah, il y en a plein d'unités de siège, c'est bien ça. En fait, vous voyez, tout ça là, je pense que c'est des emplacements pour une unité de siège, tout ça là. Paf, paf, paf. Bref, voilà, vous m'avez compris, je pense. Hein. On va mettre en ville aussi, je pense. Hein. Là, les gars, on n'a pas le choix. Hein. Vos beaux jardins, moi, je vais les raser. Hein. Rien à foutre, hein, au Cèf. Hein. Alors là, les mecs. Alors, on va faire des murailles aussi, une deuxième série de murailles. Ici, là, j'aimerais bien faire une muraille ici, en fait. Là, vous voyez. Qui part ici. Et qui va. Tac, matériaux de construction insuffisant. D'accord. Ici. On va faire des murs, hein. On va faire d'autres murs, moi je vous le dis. Hein. Non, parce que là, voilà quoi. Hein. Je sais même pas pour où ils vont attaquer le prochain coup. Ils peuvent passer par là, attention. Hein. Ici là, il faudra un mur aussi. Hein. Ici ils peuvent pas passer, ici ils peuvent pas, ici ils peuvent pas. Là ils peuvent peut-être. Non, ils peuvent pas passer. Là ils peuvent pas passer, j'espère. Ici ils peuvent passer aussi. Oh les sacs. Oh les sacs, il y a trop de trous dans ta forteresse, Marie. Donc ici ils peuvent plus passer. Ok, ce côté-là en fait il est safe. Donc si on doit vraiment exploiter un côté, il faut exploiter ce côté-là. Clairement. Attention! Quel est votre souhait? Ouais. Ouais, c'est pareil que ça va aider un tout petit peu, mais je suis pas sûr. Si vous voyez ce nous que je veux dire. Nous sommes prêts! Si vous voyez ce que je veux dire, je ne suis pas sûr du tout que ça aide. Tout mon problème est là. Ne vous inquiétez pas au sujet de la ville. Elle sera défendue par mes navires. Contentez-vous de protéger le donjon. Voilà. Un autre truc ici, s'il te plaît. Hein, parce que l'air de rien, voilà, quoi. Hein. Moi, franchement, ça me fait peur, cette guerre. Hein. Moi, je vous le dis, on va la perdre. Hein. Je vous le dis comme je le pense, on va la perdre. Hein. Et là, après, on peut passer. Ouais, on peut passer. Je vais vous.
vous anéantir une bonne fois. Oh là là, ouais, c'est reparti quoi. À vos ordres. Enfoncez les lignes ennemies. Tirez. Prêt. Des navires. Avec l'aide de Dieu, vous avez réussi à repousser l'attaque de Lucius. Mais tôt ou tard, il mettra ses menaces à exécution. Ok, d'accord. Ce truc va pas résister longtemps. Malheureusement. Et tu le vois carrément, tu sais. Aux ordres. Aux instructions. Ok, c'est très bien ces deux matins là. Donnez-nous vos ordres. Un incendie géant détruit votre colonie. Ouh. Ouais, mais ils vont réparer, hein. Hein, ils vont réparer. Pas dans les coffres. Bon, abattez-moi ce truc là, s'il vous plaît, dépêchez-vous quoi. Bon, au moins ça c'est fait. Il n'y a pas qu'on serait un pompier pour lui, hein. Plus de bois non plus. Nous sommes prêts. Ah ouais, lui il se défend en fait, ok. Oh là là, lui. Lui, il a plus rien. Nous vous écoutons. Bon, le grand corps, là, on en a besoin de suite. Vous avez été vaincu au combat. On est prêt. Rien ne peut nous arrêter. Bah si, l'armée de Lucius, apparemment, hein. On va déjà prendre des dégâts avant d'arriver. Rien ne peut nous arrêter. Et eux là ils se font mais décimer, mais d'une force puissance 1 milliard. En même temps ils déciment les armées. Hein. Nous sommes prêts. Nous vous écoutons. Et ça, ça va finir de brûler ou pas? Comment je fais? Il pleut! Comment ça fait pour brûler d'ailleurs? Il est où le truc de pompier là? Il me faut 5 unités de bois! Ouais, j'ai bien compris que ça cramait, ouais. Heureusement que j'ai cette tour là. Exactement. Ouais, c'est en feu, mais ça continue à bosser, hein. Ça se inquiète pas, moi je dis, après. C'est pas grave, hein. Aux instructions. Moi je dis, c'est pas grave, hein, ça brûle, hein. Il va me falloir du bois bientôt. Hein. Vous avez vaincu l'unité adverse. Bien. Prêt. À l'attaque. Allez, 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 allez. On est prêt. Et ça, ça brûle indéfiniment. Ah, c'est pas grave. Bon, il me faut plus de bois. C'est officiel, il me faut plus de bois. Ça tombe bien ici, on en a du bois. Moi, je dis, il me faut plus de bois. Donc on va mettre des bûcherons. J'ai eu une vision. La plage isolée derrière le donjon. Les anges m'ordonnent d'y construire un nouvel entrepôt.
C'est le seul endroit où nous serons en sécurité. Là-haut ? Une source de matière première va bientôt s'épuiser. Bon. Oh merde, la pierre. La plage isolée au sud. Laquelle elle parle ? Elle est celle-là ? Non, j'ai pas compris là. Au nord ? Nord, ouais, ici là. Elle me parle bien d'ici, elle. Un entrepôt. La production a été interrompue. J'ai plus de bois ! Oh là là, tout ça, ça périt. La population nous rapporte la présence d'hommes portant des masques noirs dans le haut de la ville. Il doit s'agir d'espions à la solde de Lucius. Vous devez les appréhender sur le champ. Ok, il est où le troisième ? Vous voyez, vous ? Je le vois. Les espions ont été arrêtés, mais ils refusent de parler. J'ai besoin de savoir quelle était leur mission. Ah ouais. Bon sang ! Amenez ces salras jusqu'à moi. Avec ma vierge de fer, nous allons leur apprendre le sens du mot « peur ». Et alors, ils ne tarderont pas à se mettre à table. Ouais. Bon, on va continuer notre mur en attendant, parce que ça, ça consomme pas de... Ça consomme pas de bois, hein. Les familles quittent la ville l'une après l'autre. Dépêchez-vous de faire quelque chose. Écoute, mon chéri, pour l'instant, c'est la bière qui manque. Mais je suis désolé, mais la bière, j'ai besoin de matériaux de renfort, moi. Ouais. J'ai besoin de ces trucs-là. Hein. J'ai besoin de bois, surtout, bon sang de bonsoir. Du bois, je veux du bois. Ah, ça y est, on les a tous vaincus. Aux instructions. Ah ouais, il n'y aura aucun pardon pour vous. Vous pourrirez en enfer pour ce que vous avez fait. Rien ne peut nous arrêter! Ah bah apparemment si, hein. Il me faut du bois, bon sang de bonsoir! Du bois! J'ai besoin de bois! Mais je peux pas en avoir du bois, quoi, sans déconner! Les bûcherons, ils foutent quoi sans déconner dans ce pays, quoi? Oh! Je me le demande! Franchement, je me le demande. On a besoin de bois, j'ai dit. Ah, on va en avoir du bois. Moi, je vous le dis qu'on va en avoir du bois. Là, il nous faut du bois maintenant. Et je le veux de suite. Pour hier, je le veux. Putain, dès qu'il est pris, il est consommé, quoi. Bon, vous savez quoi, les gens? Ah. Même pour faire un petit marché, j'ai besoin de bois. Bon sang de bonsoir! Allez, bougez-vous, là! Oh. Au feu, ah, c'est malin, tiens. Arrêtez! Ces murs servent de protection pour mon peuple. Vous ne devez pas les démolir. Bah écoute, ma fille... La production a été interrompue. J'ai besoin de bois. J'ai vraiment besoin ne de bois. Ne vous inquiétez pas au sujet de la ville. Elle sera défendue par mes navires. Oh, mais me gonfle, ce mari. Mais sans déconner, mais quel blanc de quoi? Bah, soigne-toi et ta gueule. Mais donne-moi du bois, je veux du bois, j'ai pas de bois. Comment veux-tu que je fasse? Je peux pas faire de miracle, moi, si j'ai pas de bois. Ma vision était un signe de Dieu. Mes navires peuvent
maintenant reprendre l'acheminement des marchandises. Temps restant pour l'espionnage. Mais je sais même pas ce qu'il faut faire. La production a été interrompue. Il est où, Barbas ? Du coup, nous, on va aller au nouvel entrepôt, hein. Ah, là, c'est ça, hein. L'ennemi progresse sur votre territoire. Ici, il va envahir. Bah, il est mal barré, hein. Vous êtes pris au piège. Mes chevaliers vont entrer dans cette ville et l'anéantir, ainsi que toutes les créatures qui y vivent. Je suis même fait... Oh putain, qu'est-ce qu'il a foutu, quoi, là. Qu'est-ce que c'est, ça ? Regardez ! Les chevaliers de Lucius ne font qu'une bouchée de nos guerriers. Cela ne peut signifier qu'une chose. Dieu nous a abandonnés. Eh mais va mourir, comment t'as fait pour arriver là ? J'ai fait un mur et tout, comment t'as fait ? What ? Comment il a fait ? Y'a un trou quelque part ou bien ? Mais non, y'a pas de trou, comment t'as fait pour arriver là, garçon ? Un site ne parvient plus à se procurer des matières premières. La production a été interrompue. Viens là. On y va. Un gisement de pierre est épuisé. Malheur. Un de vos bâtiments est la cible d'une attaque. Où ça ? Où ça ? Mais comment il a fait, le mec ? Putain ! Je suis le commencement et la fin. Votre fin. Les troupes de Lucius se préparent au combat. Mon Dieu, elles marchent en direction du port. Mais d'où ? D'où ? Je vois rien, purée ! Je vois rien ! Comment il fait pour bouger ses troupes comme ça, lui ? Et d'où il m'a explosé mes murs, lui, en plus ? D'où ? Arrêtez ! Ces murs servent de protection pour mon peuple. Vous ne devez pas les démolir. D'où ? D'où ? J'y comprends rien à cette mission, mon saint de bonsoir. D'accord, il est à nouveau là, bref. On est prêts. Mettez-les en pièces. Nous sommes prêts. Vos instructions. Rien ne peut nous arrêter. Ah bah on dirait que si, hein, parce que alors je suis très mauvais, hein. Quels sont vos ordres? Donnez-nous vos ordres. Eh, hey, tire dessus, toi. Eux, ils vont se défendre, c'est sûr, mais... Nous sommes prêts. Tous prêts. Ouais, bon, on dirait pas, hein. Je n'y comprends absolument rien. Comment il a fait? Moi, je veux savoir comment il a fait pour me placer des bombes dans les murs, là. Je veux savoir, je n'y comprends rien. Je n'y comprends rien. Clairement, je n'y comprends rien. Prêt ? Ah, t'as peut-être problème pour attaquer en plus. Allez, va, bouge, va. T'as rêvé ici, l'homme, parce que tu me... L'armée est en marche ! Rien ne peut nous arrêter !
Moi, je comprends pas comment il fait là. Moi, là, enfin, ça m'échappe. Ouais. Moi, je vous le dis, il y a quelque chose qui m'échappe. Nous sommes prêts. Oui, ils vont crever en plus. Génial. Souhait. Ah, forcément, ils sont deux dessus. Rien ne peut nous arrêter. Il n'y aura aucun pardon. Vous pourrirez en enfer pour ce que vous avez fait. Oh, tais-toi, toi. Quoi, regarde ce que je vais te faire, tiens. Les croisés de Lucius sont en train de dévaster nos troupes. Mon Dieu, nous ne survivrons jamais à ça. Où ? Moi, j'y comprends rien, moi. Je vous assure que j'y comprends. Comment ils ont fait péter les murs là-bas, quoi? C'est écrit dans le scénar, c'est pas possible. En plus, j'avais fait le truc et tout, là. Ça, ça va péter dans pas longtemps. Ça, ça va péter dans pas longtemps. Ça aussi. Vos instructions. Donnez-nous vos ordres. Rien ne peut nous arrêter. Vous avez remporté la bataille. Ouais. Bon, on a remporté une bataille, mais pas la guerre encore. Moi, je vous le dis. Qu'est-ce qu'il nous manque encore? 3 diamants. C'est quoi des diamants là? C'est quoi 3 trucs là? Je sais pas ce que c'est ça. Rien ne peut nous arrêter! Vos troupes sont victorieuses! Tant mieux! Même si j'y comprends absolument rien, tant mieux! C'est pas du sel. De ça, on en a un taquet. Qu'est-ce que c'est qui nous manque là? Un de vos bâtiments subit une attaque. Rien ne peut nous arrêter! Oui, quels sont vos ordres? Il n'y aura aucun pardon pour vous. Vous pourrirez en enfer. Gueule. Ok. Bon, on a une garnison ici, on va la garder par là, je pense. Ça là, je peux pas les raser pour les reconstruire. Arrêtez! Ces murs servent de protection pour mon peuple. Ils sont cassés, tes murs. Démolir. Vous avez vaincu l'unité adverse. Bien. Quels sont vos ordres? Maintenant, si mettez je faisais les ça, à genoux. Hein, si je faisais ça là. Eh, voyez voir ce que ça donne. Il n'y aura aucun pardon. Ouais, ça donne que dalle. Mais que dalle. Ça fait que dalle. Quels sont vos ordres? Honneur et gloire! Rien ne peut nous arrêter! Quels sont vos ordres? Ça ne change absolument rien. Ce que vous avez fait. Vos instructions! La production a été interrompue. Moi, je n'y comprends que dalle. C'est bien simple, je n'y comprends que dalle. Mais que dalle. Ne vous inquiétez pas au sujet de la ville. Elle sera défendue par mes navires. Mais c'est quoi ces espèces de trucs là, 6, le donjon. 4. C'est des nobles qu'il faut? Ils ont pas ce qu'il faut les nobles là maintenant? Ah, ils ont pas d'épices, ils sont pas contents, ils ont pas d'épices là. Je perds au taquet d'or. Ah d'accord, au point militaire. Dépend du nombre d'habitants vivant dans vos villes. D'accord. Lucius semble devenir plus puissant à chaque nouvelle vague d'attaque. Nous n'avons plus le choix. Envoyez un message à Al-Zahir. Peut-être nous viendra-t-il en aide.
Bah écoutez les amis, on fera ça directement au prochain épisode. Voilà. Donc c'est bien, le scénario se développe, je n'y comprends absolument rien. Mais quand je dis rien, là, sur ce coup-là, c'est rien. Ah là, c'est du grand rien. Vous voyez, il y a le petit rien, il y a le rien moyen, et là, il y a le grand rien. Là, je sais pas. Je sais pas. Je suis totalement en désarroi. Hein? Je sais pas. Moi, je sais pas. Elles se forment pas le casser, apparemment. Nos troupes, elles se sont décimées à quasiment chaque fois. Quoique là, on les décime pas mal. On a que des grands temples. Nous n'avons plus de points d'armée. Apparemment, maintenant, on me demande d'aller demander de l'aide au cardinal machin truc muche. Enfin, aux orientés en trouvant leur entrepôt. Ce que je vais faire, donc, je dois explorer la carte, etc. Ça va me changer un petit peu. J'aurais dû faire un petit bateau de guerre pour m'aider. Hein, parce que ça m'aurait bien avancé, je pense. Donc, bah écoutez, les amis, voilà pour cet épisode 14. N'hésitez pas, du coup, à laisser des pouces verts, des commentaires, en commentaire, ce que vous pensez, voilà, hein, tout ça. Dans tous les cas, je vous le dis, le scénario, soit sera perdu, soit sera gagné, mais il sera tourné, dans tous les cas, en entier. Là, je vais partir manger, puis je vais tourner ça juste après. Et puis voilà, parce que là, j'y comprends rien. Moi, je ne comprends pas. Je pense que c'est le scénar qui veut ça, hein, parce qu'en temps normal, ça fait pas ça. Les murs, ils tombent pas comme ça. Et puis la blonde qui m'empêche de les raser pour les reconstruire. Non, mais allô, quoi. Pff, sans déconner, quoi. Allez, on a trouvé Nabila numéro 2, là. Là, sur ce coup-là, on a Nabila numéro 2, hein, s'il vous plaît, hein. Ah, à part chouiner, elle sert à rien, celle-là. Hein, franchement, hein. Non, mais voilà, quoi. Bref, donc, un petit pouce vert, un petit commentaire, et puis à la prochaine. Allez, ciao, ciao, les gens.